Bonsoir messieurs, dames, merci d'être là avec moi ce soir. Donc on va poursuivre, là on va regarder un petit peu ce que l'on sait, à partir bien entendu des données archéologiques, des fouilles préhistoriques que nous menons. À la fois bien sûr nous avons des documents anciens, mais actuellement nous faisons beaucoup de recherches et il y a beaucoup de choses, beaucoup de sites qui sont découverts, beaucoup de matériel qui est exhumé. Et donc, il y a vraiment plein de données. Comme je vous l'ai dit, je crois, la dernière fois, en plus, nous avons la chance actuellement d'avoir des nouvelles techniques qui nous permettent d'aller encore plus à fond dans l'interprétation du matériel. Notamment, je pense à des méthodes de biogéochimie. Vous allez voir un exemple tout à l'heure. Et bien entendu, l'ADN ancien. Donc, il y a plein de choses qui sortent, plein de nouveautés. Voilà, je vais essayer de vous présenter vraiment les dernières nouveautés à propos de l'homme de Néandertal. Alors très rapidement, parce que bon, ça c'est un peu long ma conférence aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de données, donc je vais aller peut-être un petit peu rapidement sur certains points que vous connaissez peut-être et insister sur des points nouveaux. Donc voilà, au niveau de la famille, si j'ose dire, la grande famille, l'origine des Néandertaliens, donc ce sont un enracinement européen. Donc les Néandertaliens descendent d'Européens qui font partie de cette grande famille qu'on appelait avant les Homo erectus sensus lato. Vous savez, ceux qu'on a retrouvés à Java, par exemple, les pithécanthropes, en Chine, les sinanthropes, en Europe, les antécesseurs. Et donc c'est à partir de ce erectus européen, donc qu'on appelle en particulier Homo heidelbergensis, que est issue la lignée des Néandertaliens. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, on le sait. Avant, on discutait un petit peu sur si c'était Homo antécessor ou si c'était Homo heidelbergensis. Et bien là, maintenant, on est à peu près certain, que c'est Homo heidelbergensis. Donc, leur période, très rapidement aussi, vous connaissez. Si on prend les pré-néandertaliens, ceux qui sont directement de cette souche ancestrale, c'est 350 000 ans à peu près, et les derniers 30 000 ans, il y a 30 000 ans, donc 28 000 ans. En Europe, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit un déplacement, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt apparus, les plus anciens sites sont plutôt apparus en Europe occidentale, et il va y avoir une migration vers l'Europe centrale, bien sûr, ils vont rester aussi en Europe occidentale, l'Europe centrale, et ensuite vers l'Europe orientale, donc il y a ce déplacement de certains groupes vers l'Est, c'est la première chose, et vers 120 000 ans, c'est-à-dire ce que nous on appelle l'avant-dernière glaciation, il y a des groupes qui vont aller au Proche-Orient. Donc ça, c'est quelque chose d'important, et justement aujourd'hui, je viens de lire un article dans Nature, qui montre qu'il y avait, il y a 55 000 ans, sur le mont Carmel, donc l'Israël actuel, il y avait des Néandertaliens, ça on le savait, mais aussi déjà des Homo sapiens, c'est-à-dire des hommes modernes, vraiment avant on appelait ça des proto-cromagnons, maintenant, d'après cette nouvelle découverte de restes humains, on a déjà des Homo sapiens, donc en même temps, dans cette région, que les Néandertaliens. Alors, le contexte, donc c'est toute l'Europe, ça va de l'Angleterre jusqu'en Ouzbékistan. Actuellement, je travaille en Ouzbékistan sur un site très intéressant. Et donc, vous voyez, c'est un vaste, vaste, vaste territoire. Et quand on fait cette étude, j'avais fait pour mon HDR, l'habilitation à diriger des recherches, l'ancienne thèse d'État, j'avais travaillé sur un certain nombre de sites qui dépassaient 340, pour faire une synthèse de ce qu'on savait, et on s'aperçoit qu'en fin de compte, ils ont occupé tous les biotopes, c'est-à-dire qu'on les retrouve aussi bien dans les plaines que dans les parties relativement rupicoles, et aussi presque en haute montagne, si j'ose dire, puisqu'on en trouve des sites à 2000, notamment dans le Caucase, à 2000 mètres d'altitude. Donc vraiment, ils occupent un peu tous les biotopes. Ils ont quand même une préférence pour les grandes plaines, et surtout dans ces plaines, pour les plaines où il y a des petits, un peu de relief, et souvent ils s'installent sur les versants, c'est vraiment leur choix. Alors au niveau de leur campement, on a à la fois, parce qu'on a souvent ce mythe de l'homme des cavernes, en réalité ils habitent bien sûr des grottes, mais quand on dit grotte, c'est pas au fin fond des grottes, ce sont pas des hyènes des cavernes ni des ours des cavernes, ce sont des hommes, et ils se mettent à l'entrée, en règle générale, toujours avec la lumière du jour qui entre.
Et donc, c'est là qu'ils installent leur campement dans ces grottes. Ils utilisent beaucoup les abris et ils ont aussi des campements de plein air. Notamment dans les grandes plaines, ils vont avoir des campements de plein air. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, là aussi, une vision qui a un peu changé. Ce n'est pas l'homme des cavernes. Au niveau des contextes climatiques, et on verra dans la troisième conférence si vous revenez me voir, quand on parlera de la disparition des Néandertaliens, je voudrais tout de suite vous dire qu'au niveau climatique, ce sont des hommes qui ont connu trois phases. Une phase glaciaire, hein, l'avant-dernière glaciation qu'on appelle Ris ou Sahalien, et une phase interglaciaire qui s'appelle donc les Miens, hein, une phase tempérée de réchauffement, et bien sûr ils sont aussi pendant la dernière phase glaciaire. Tout en sachant que c'est un schéma très synthétique. En réalité, même à l'intérieur des phases glaciaires ou des phases interglaciaires, enfin surtout des phases glaciaires, nous avons des oscillations climatiques. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est plus tempéré que d'autres. Donc c'est un peu trop généraliste, mais il y a quand même ces oscillations et c'est important, bien sûr, pour que ce soit toujours dans ces périodes-là, même qu'on appelle phase glaciaire, il y a toujours beaucoup de gibier. Alors, au niveau de... Là, on va regarder, on va voir son physique, si j'ose dire, son anatomie et son côté génétique. Actuellement, grâce à l'ADN ancien, donc nous avons des résultats intéressants puisque le génome est connu, comme je le mets ici, presque à 100%, bientôt il va être à 100%. Aussi bien le mitochondrial, qui est le plus facile à obtenir, hein, qui est le plus souvent conservé, que le nucléaire. Donc là, on a quand même une vision intéressante des hommes de Néandertal. Et ce qui est important par rapport à nous, c'est ces gènes en commun, évidemment, donc qu'on partage. Autre nouveauté aussi, on parlait toujours les Néandertaliens, mais en réalité, les Néandertaliens, ben, c'est quand même 300 000 ans. Évidemment, à l'intérieur, vous avez des groupes. Et actuellement, on a montré qu'il y a trois, voire quatre groupes. Moi, je préfère penser quatre. Vous avez un groupe qui est les Néandertaliens de l'Occident, de l'Europe, hein, du côté occidental. Un groupe qui est plus méridional, plus méditerranéen. Un groupe qui est plus de l'Europe orientale. Et bien sûr, le groupe levantin, donc parce qu'ils étaient au Proche-Orient. Donc, vous voyez, déjà, c'est pas homogène. Et il y en a, ce qu'il faut savoir, c'est les caractères très forts néandertaliens sont surtout marqués sur les populations qui sont occidentales. Ils sont très moins marqués, et ça sera important, on le verra tout à l'heure, ils sont moins marqués pour les néandertaliens du Levant, notamment, et de l'Europe orientale. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a eu un croisement des Néandertaliens et des Sapiens. C'est le fameux article sensationnel de mai 2010 qui a montré qu'il y avait eu ces croisements entre des hommes modernes et des Néandertaliens. Ça a montré également que ce croisement s'était pas fait en Europe comme on aurait pu le penser, puisque les Sapiens vont arriver en Europe vers 43 000 ans. Ça s'était fait avant, vers 70-80 000 ans, et donc probablement soit au Proche-Orient, soit à la sortie du Proche-Orient, donc peut-être vers l'Anatolie, voyez. Donc ça, c'est quand même des données très importantes. Et donc, dans cette fameuse publication, on montrait qu'il y avait que nous, les Eurasiatiques, pas les Africains, avaient entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Donc c'est intéressant de voir que, malgré ces 80 000 ans, il nous reste quand même de ce croisement entre 1 et 4%. Mais on reparlera la prochaine fois. Alors l'anatomie, là je vous mets les grandes bien sûr, ce qui est le plus spectaculaire si j'ose dire, parce qu'il y a toujours plein de détails, évidemment je ne vais pas vous abreuver de toutes les différences anatomiques, mais disons, on reconnaît tout de suite, si vous trouvez un crâne de Néandertalien, vous allez tout de suite le reconnaître, étant différent d'une autre, par quelque chose d'important, c'est le front fuyant, c'est-à-dire que nous avons un front redressé, eux, ils ont un front fuyant. Ça, c'est la première donnée importante. La deuxième donnée très importante, c'est qu'il y a ces fameux bourrelets, hein, au-dessus des orbites et qui, en plus, se font comme une visière de casque parce qu'il n'y a pas ce petit rétrécissement. Donc ça aussi, c'est une caractéristique très forte parce que les Erectus, leurs ancêtres, avaient aussi ces bourrelets très, très marqués, mais eux, il y avait quand même une petite dépression, ce qui était quand même séparé, il n'y avait pas cette forme de visière. Donc ça, c'était là aussi une caractéristique importante. Une autre très importante, c'est la forme du crâne. Quand on regarde de profil un crâne de Néandertalien, il est allongé,
alors que le nôtre est rond. Pourquoi il est allongé? Parce qu'il a ce qu'on appelle le chignon occipital. Et je dis toujours, pour visualiser la chose, vous voyez, nous, c'est un peu ballon de foot et eux, c'est ballon de rugby. Vous voyez, c'est vraiment vers l'arrière du crâne, bien allongé. Et alors, absence de menton, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un tout petit menton, mais c'est très peu marqué par rapport au nôtre, qui est quand même beaucoup plus prononcé. Ça, ce sont vraiment les critères les plus importants pour caractériser un crâne de néandertalien. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces caractères néandertaliens, mais comme chez nous d'ailleurs, les caractères purement sapiens, se mettent en place, sont tous en place, surtout marqués à partir de 4-5 ans. Donc avant, ces caractères sont atténués, et c'est pour ça que les enfants, quand on reconstitue l'apparence des néandertaliens, des jeunes néandertaliens, des enfants néandertaliens, eh ben ils sont très proches des sapiens. Et donc ça, c'est une donnée aussi intéressante, surtout quand on parlera de la rencontre la prochaine fois. Alors, au niveau de la stature, évidemment, leur stature par rapport aux sapiens, là je parle même aux sapiens préhistoriques, ils vont être plus petits. Donc en moyenne, ils font, enfin pas en moyenne, mais au maximum 1m65 pour les hommes. Donc ce sont des petits et des trapus. Ils sont extrêmement musclés. Quand on regarde les attaches musculaires sur leurs os, on s'aperçoit vraiment qu'ils sont très puissamment musclés, et ça c'est une donnée importante. Mais en plus, ils ont des os extrêmement robustes, très épaisse. Donc c'est vraiment un squelette très robuste. Et ça c'est quelque chose d'important. Ils ont une bonne assise sur terre, et donc c'est vraiment là aussi une caractéristique essentielle. Ils sont légèrement différents de nous par rapport à notamment la cage thoracique, qui fait un peu comme un tonneau, vous voyez, par rapport à nous. Mais sinon, globalement, son anatomie est quand même pas très du poste crânien du corps n'est pas très loin du nôtre. Là, grâce à l'ADN aussi, nous avons quand même des points qui étaient un peu dans le qui n'étaient pas démontrés. Moi, j'ai toujours pensé, je l'avais écrit en 2006, j'ai toujours pensé, de toute façon, étant née en latitude nord, ayant vécu toujours en latitude nord, je parle pour les néandertaliens européens, pour moi, il n'y avait pas de problème, ils étaient blancs. Mais vous savez, c'est toujours une difficulté quand on ne peut pas le prouver, quand on déduit, même si c'est un raisonnement qui me paraît logique, c'était toujours en disant, oui, ben, pourquoi tu dis qu'ils sont blancs, on ne sait pas. On ne se pose pas la question pour les sapiens, par contre, quand ils arrivent, on dit qu'ils sont blancs. Non, quand ils arrivent, ils viennent du Proche-Orient, ils étaient un peu basanés, vous voyez. Mais là, c'était un peu aussi dans ce mythe hein, dont on parlait la fois dernière, de le voir très, très foncé. En réalité, donc, il était blanc. Et là, l'ADN a montré qu'il y avait, bien sûr, cette caractéristique, au niveau notamment de la mélanine, qui montrait qu'ils étaient de peau claire, on va dire. Là aussi, l'ADN a montré qu'ils avaient les cheveux roux. Alors là, il faut faire attention, maintenant tout le monde pense que tous les néandertaliens étaient roux. Non, c'est ridicule. Tous les néandertaliens n'étaient pas roux. C'est certains des néandertaliens qui ont été analysés qui ont montré qu'ils étaient roux. Donc certains d'entre eux étaient roux, mais pas tous les néandertaliens étaient roux, évidemment. Donc ça, vous voyez, c'est des données intéressantes, nouvelles, qui nous permettent de mieux cerner son apparence. Là, toutes les reproductions que je vous montre sont des reproductions qui ont été faites par Elisabeth Dynes et qui sont des reconstitutions très précises qui ont été faites avec des anthropologues, des paléanthropologues, et aussi avec la technique, vous voyez, qu'on voit un peu au cinéma quand on regarde les experts ou autres, c'est-à-dire vraiment des reconstitutions très fines de la musculature et tout. C'est clair que les regards, l'allure générale, les mimiques et tout ça, c'est l'artiste hein, qui va donner ça. Et vous savez très bien que ça peut jouer beaucoup sur l'interprétation du caractère comme ça des néandertaliens. Comme la fois dernière, je vous ai montré, on peut les représenter comme des brutes. Et puis là, au contraire, avec le regard d'Elisabeth Dynes, on voit que c'est pas du tout un physique aussi brutal qui était montré avant et aussi simiesque. Alors au niveau de leur comportement, donc là aussi, comme leurs prédécesseurs et comme les premiers hommes modernes, ce sont des nomades, des chasseurs-cueilleurs, donc ça c'est collecteurs, donc ça c'est une donnée très importante. Ils ont un vaste territoire et donc ils se déplacent sur ce territoire. Alors quand on parle de territoire, ce sont surtout des territoires de subsistance. Et on s'aperçoit que chez les Néandertaliens, il y a ces territoires, bon, sont vastes. Ce sont des vastes territoires. Il faut dire que la démographie est faible, hein, donc il y a beaucoup d'espace.
Et ce qui est intéressant aussi de garder en mémoire, c'est que lorsqu'on dit nomade, ça ne veut pas dire que tous les matins, ils prennent leur petit baluchon et ils changent de campement, pas du tout. C'est en fin de compte un nomadisme qui est saisonnier. Et dans ces périodes, là je parle pour l'Europe, j'ai beaucoup parlé des comportements des Néandertaliens d'Europe, sur lequel je travaille spécialement. Et donc, on voit très bien que ce nomadisme est saisonnier et que nous avons, à ces périodes, notamment en période de glaciation, la dernière glaciation particulièrement, où on a deux grandes saisons. On a une saison courte, estivale, et puis une saison plus longue, hivernale. Et c'est là où ils changent de campement, mais toujours sur le même territoire. C'est avec l'épuisement des ressources, donc c'est pour ça qu'ils se déplacent. Alors, là aussi, ce sont des grands artisans. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a, dans le matériel lithique des Néandertaliens, dans leur industrie, si vous voulez, il y a deux grandes cultures, deux grands complexes, on appelle ça, le socle un peu de ces Néandertaliens, quels qu'ils soient, même ceux du Levant. Il y a ce socle qui est le moustérien et le mycoquien, c'est vraiment les deux gros socles. Le moustérien qui est surtout à l'ouest, de l'Europe et au Levant, et le mycoquien plutôt vers les régions d'Europe centrale et surtout orientale. Et à l'intérieur de ces deux complexes très typiques qu'on retrouve partout, il y a des traditions. Il y a des traditions qu'on appelle maintenant même des traditions culturelles. C'est la culture matérielle. Et on s'aperçoit que déjà, il y a une espèce de régionalisation. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc il y a plusieurs faciès différents de faciès régionaux. Ils sont l'inventeur, là aussi c'est important pour comprendre ses capacités cognitives, ils sont l'inventeur d'une technique qu'on appelle la technique levallois. C'est une technique qui consiste par percussion à concevoir les outils après avoir fait une succession de gestes. C'est ce qu'on appelle une chaîne opératoire. Il part d'une pierre brute, d'un rognon de silex par exemple, qu'ils vont tailler par percussion pour aboutir par exemple à un racloir. Et ils ont toute une chaîne opératoire, donc des gestes, une succession de gestes. Et ça c'est très important, ça veut dire que déjà ils ont dans la tête cette chaîne opératoire, alors que les rognons de silex ou la pierre, ça peut être du quartz hein, aussi, ça peut être d'autres matériaux, est brut, ils ne voient pas l'objet déjà. Mais eux, par ce mécanisme, par cette chaîne opératoire, ils aboutissent soit à un éclat moustérien, soit à une pointe moustérienne, soit à un racloir. Donc il y a vraiment ce schéma. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est très nouveau. Ils vont avoir quelques outils, là aussi, qu'on va retrouver partout, mais il y a d'autres méthodes que le valois. Il n'y a pas que cette méthode-là, mais c'est vraiment typique parce que c'est eux les inventeurs. Il y a du discoïde et il y a aussi un peu de laminaire. Et ça, c'est intéressant. Le laminaire, ça veut dire au lieu de tailler, de travailler, de façonner des éclats pour faire les outils, ils vont tirer des lames comme feront les Cro-Magnons, comme feront les hommes du Paléolithique supérieur. Ils l'ont fait un petit peu, notamment vers 120 000 ans, au moment de l'interglaciation en Europe, et puis ils vont laisser tomber. C'est pas leur truc, mais ils ont changé. Mais en tout cas, ils pouvaient faire la même technique, ce qu'on appelle laminaire, ils pouvaient tirer des lames qu'ils retouchaient, mais ils n'ont pas conservé, c'est quelque chose qui a été très épisodique comme ça, très fugace, mais ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils maîtrisaient cette technique aussi. Alors je disais qu'au niveau de leur outil typique, c'est essentiellement les racloirs, bien entendu, il y a plein de variétés de racloirs, ils ont tous des formes différentes, il y a le racloir, les lames, les pointes moustériennes, les lames en sens allongé, c'est pas des lames, des pointes. Donc voilà, c'est vraiment des artisans qui maîtrisent vraiment les techniques et qui font une panoplie d'outils à partir de ces techniques, principalement le valois. Donc je rappelle la taille par percussion essentiellement. Leur environnement animal, ça c'est important de reporter toujours bien sûr l'histoire dans le contexte. Alors l'environnement animal, pour ces périodes-là, nous avons des animaux qui sont relativement proches des animaux qu'on connaît.
Hein. Là, nous avons, c'est une chance pour nous parce qu'on a des animaux qui existent encore, donc on peut étudier leur l'éthologie et l'écologie. On n'a pas à se poser de questions. Ce sont les animaux qui vivent encore actuellement. Et là, pour nous, on en parlera tout à l'heure pour quand on verra les comportements de subsistance. C'est important pour nous, archéologues, de bien sûr connaître l'éthologie et l'écologie des animaux. Alors, ils ont un environnement qui est très diversifié, que ce soit pendant la période glaciaire ou interglaciaire. Et là aussi, je veux absolument que vous vous rendiez compte que l'environnement même, quand on dit glaciaire, c'est quelques degrés, en moyenne, c'est pas mal, à certaines périodes les plus froides, de moins que maintenant. C'est vrai qu'il y a la grande calotte glaciaire à certaines périodes qui descendent très bas. On a très peu de sites, si on prend la dernière glaciation, on a très peu de sites en Hollande, sauf au sud des Pays-Bas, un petit peu en Belgique, mais tout au nord, évidemment, en Scandinavie, etc., il n'y a pas de sites paléolithiques, d'ailleurs. Hein, les Cro-Magnons non plus, ils ne sont pas là. Donc, parce qu'il y a cette fameuse calotte glaciaire, les glaciers sont un peu plus imposants, puisque les Alpes, par exemple, Lyon était complètement recouvert pendant les pointes les plus froides de la dernière glaciation. Donc, évidemment, il y a des réductions d'espace, si j'ose dire. Mais les animaux, en fin de compte, dans ces environnements qui paraissent plus froids, étaient extrêmement abondants. Et nous avions des grands troupeaux, et notamment des grands troupeaux de bisons, par exemple, des grands troupeaux, bien sûr, on parlera des mammouths, plus à l'est, il y en avait beaucoup. Donc, on a cette biomasse importante, parce que nous sommes surtout dans des milieux ouverts, et contrairement peut-être à ce que l'on peut penser, la biomasse est plus importante dans les milieux ouverts que dans les milieux fermés, comme les milieux forestiers. Donc ça, c'est important, ce gibier est là, il est présent, il est abondant, il est diversifié. On a toutes les grandes familles représentées, bien sûr, dans les régions plus méridionales et tout, on est plutôt avec beaucoup de cerfs. Dans les régions un peu plus nordiques, on est plutôt avec le renne. Il y a, là aussi, dans les périodes un peu tempérées, on a le mégalocéros. Donc, on a pas mal de cervidés. On a même, pendant le dernier interglaciaire, on a des chevreuils, on a des daims, etc. Donc, voilà, du gibier très diversifié. Il y a des rhinocéros. Alors, les Néandertaliens ont connu trois types de rhinocéros, le rhinocéros des steppes, le rhinocéros des forêts et le rhinocéros, bien sûr, laineux que vous connaissez. Et évidemment, le rhinocéros laineux est surtout dans les régions froides, les plus nordiques et pendant les périodes les plus froides. Donc là, aussi une variété. Les proboscidiens, on va en parler du mammouth, mais il ne faut pas oublier que pendant les périodes plus tempérées, nous avions dans nos régions l'éléphant antique. Donc, c'est deux grands pachydermes. Au niveau des bovidés, si on prend les grands bovidés, nous avons les aurochs et les bisons. Et puis, il y a quand même les petits bovidés, et notamment, là je parle de ceux qui sont le plus fréquemment avec les Néandertaliens, nous avons les bouquetins et nous avons les chamois ou isards. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les bouquetins, on peut les rencontrer dans des régions qui sont très peu montagneuses. Alors que maintenant, évidemment, ils vivent en altitude. Pourquoi ? Parce que ce sont surtout des animaux rupicoles, et ce qu'il leur faut, c'est du rocher. Et pourquoi ils sont maintenant en altitude ? C'est la pression de l'homme, hein, la chasse, etc., au bouquetin, qui a fait que petit à petit, ils sont montés en altitude. Mais on pouvait, en se promenant dans la vallée de la Vézère, rencontrer des bouquetins. Voilà, pour ceux qui connaissent la Dordogne. Donc, il y avait ces animaux. On s'aperçoit en fin de compte que là aussi, les Néandertaliens ont exploité, même à toutes les périodes, tous les biotopes. C'est-à-dire qu'ils ont prélevé des animaux en forêt ou en lisière de forêt, aussi bien qu'en plaine ou en altitude. Alors, venons-en au comportement. C'est évidemment ce qui nous motive, c'est de retrouver les comportements. Là, je vais commencer par les comportements de subsistance de ces hommes. Alors, c'est le mode d'acquisition du gibier. Ça a toujours été une question. L'autre fois, je vous en avais parlé, on a beaucoup débattu. Est-ce que c'était un charognard? Est-ce que c'était un chasseur? Donc, c'était la grande question. Et nous avons beaucoup, beaucoup travaillé sur ça pour justement essayer de dégager la réalité et non pas rester dans une fiction d'hommes primitifs charognards. Et en fin de compte, on s'est aperçu avec toutes les études qu'il y avait une pratique concomitante des deux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de temps en temps, ils charognaient, mais les premiers hommes modernes aussi.
Et bien sûr, ils étaient des chasseurs. Alors là aussi, quand on regarde quelles étaient les espèces charognées, et on s'aperçoit que ce sont surtout des grosses espèces, essentiellement les rhinocéros et les proboscidia, éléphants antiques et mammouths. Donc ça, c'était une première donnée intéressante, et on verra en discutant sur le mammouth pourquoi. Mais aussi, on a maintenant pas mal de données aussi sur la récupération de mammifères marins échoués. Donc ils ont consommé, bien sûr c'est du charognage, ils ont consommé ces mammifères marins. Et ça c'est important au niveau de l'alimentation. Parce qu'au niveau de l'alimentation, on a très souvent, notamment nos collègues anglo-saxons, principalement américains, puisque je vous l'ai dit la dernière fois, ils ont été très longs à considérer les Néandertaliens comme faisant partie de notre humanité. Ils étaient toujours un peu en réserve en disant quand même... une des interprétations, c'était de dire aussi, voilà, ils savent, en fin de compte, dans leur alimentation, il n'y avait pas beaucoup d'oméga 3, il n'y avait pas beaucoup de poissons, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils étaient moins intelligents. Donc je vous donne ça brut de décoffrage, mais c'est un petit peu ça qui ressortait des publications. Et maintenant, en fin de compte, on s'aperçoit que c'est pas le cas. En tout cas, ils mangeaient ces cadavres de mammifères marins, mais surtout. Et maintenant, je crois qu'il y a un consensus, après les travaux que plusieurs collègues et moi-même avons faits, il y a un consensus sur le fait que c'est quand même des grands chasseurs et que c'est des grands consommateurs de viande. Et leur comportement de chasseur sous-entend évidemment qu'ils avaient une très grande connaissance de l'environnement, de l'éco-éthologie des animaux qui les entouraient. Donc ça, c'est important aussi de le voir, et bien sûr de l'anatomie, parce qu'il faut pouvoir atteindre ces animaux dans des parties vulnérable, puisque chasseur-cueilleur, comme ça, quand vous êtes à la chasse, que vous voulez abattre un animal, et il est clair que vous avez intérêt à le toucher un organe vital, parce que sinon l'animal va se déplacer plus loin, vous allez dépenser beaucoup d'énergie, et le rapport entre l'apport calorique et l'énergie dépensée ne va pas être en équilibre. Donc c'est important de bien connaître aussi l'anatomie de ces animaux et de viser donc les bons endroits, les organes vitaux, hein. Donc ça, c'est pour nous, c'était très important. Je n'ai pas le temps de détailler, mais grâce à cette mise en évidence de chasseurs efficaces, nous avons pu mettre en évidence des capacités cognitives liées à cette activité. Alors, l'alimentation carnée, comment on le sait que ce sont des grands mangeurs de viande, donc des grands chasseurs, parce que quand vous devez vous nourrir essentiellement de viande, ben vous devez la trouver relativement facilement et pas seulement en attendant qu'il y ait une charogne qui soit à proximité. On le sait donc, parce qu'on a beaucoup de matériel osseux d'animaux, évidemment, dans les campements, on voit des traces de boucherie sur les os, etc. Mais aussi, là, grâce, depuis maintenant quelques dizaines d'années, on a aussi cette possibilité, grâce à la biogéochimie, je ne vais pas le détailler ici, de savoir quelle était l'alimentation du squelette de l'homme qui appartenait à ce squelette, à son alimentation. Et donc, il y a eu plusieurs, et maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup d'analyses, et toutes ces analyses mettaient en évidence qu'il y avait une grande consommation de viande, que cette viande avait une part importante de l'alimentation, et que lorsqu'on la plaçait comme ça, comme ici sur les courbes, on s'aperçoit que leur positionnement est au même endroit que les carnivores, et en particulier que le loup. Donc même pas les renards, qui sont plus omnivores que les loups, mais proches du loup. Donc vraiment des mangeurs de viande. Ça, c'était des données importantes. On a peaufiné tout ça, parce qu'au début, ça avait été fait sur des squelettes, notamment un squelette de Marillac, qui était à 40 000 ans. 40 000 ans, il faisait extrêmement froid, il y avait un petit pic de froid. Donc tout le monde trouvait logique que l'apport carné soit plus important, parce que, bien sûr, les végétaux nutritifs, hein, ceux qui apportent des éléments, vous savez, manger trois petites baies sauvages, c'est pas ça qui peut vous nourrir, mais les éléments importants au niveau végétal étaient plus rares, évidemment, donc on a dit, c'est normal, il y a une augmentation. Mais après, on s'est aperçu que pas du tout, même dans les périodes interglaciaires, on a fait des analyses sur les hommes des Néandertaliens de l'interglaciaire, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment leur comportement, ce sont des chasseurs et des consommateurs de carné. Donc ça, c'était une donnée très importante. Alors, qui dit chasse, bien sûr, il faut regarder du côté des armes. Alors là, ce que je dis toujours, que c'est quand même un armement rudimentaire.
Et ça, c'est aussi une donnée importante, parce que ça va supposer, avec un tel armement, qu'il faille utiliser des stratégies pour chasser, surtout de cette façon importante. Donc, c'est une donnée là, à bien retenir. Parce que leurs armes, c'est quoi? Bon, vous avez tous ces images en tête, hein, ce sont les épieux de bois. Parfois, la pointe est durcie au feu. Donc, des armes d'estoc, les couteaux, pareil, armes d'estoc. Mais il y a quand même des armes de jet qui sont lancées à la main. Il n'y a pas de propulseur, hein. Le propulseur, c'est Sapiens, qui sont lancées à la main. Et il y a des bolas. On a mis en évidence l'utilisation de bolas. Ça, c'est très pratique pour chasser le cheval. Et et les lances, souvent on a des témoignages d'emmanchement de ces pointes moustériennes et qui font donc ces lances. Donc vous voyez, c'est très rudimentaire comme armement, ce qui veut dire que ça nécessite l'approche du gibier. Ça c'est clair, parce que vous savez qu'avec un armement comme ça, vous pouvez pas, si vous êtes trop loin, vous allez rater votre cible. Et donc ça nécessitait l'approche ou l'affût, donc ça nécessitait des techniques très spécifique. Et ça, c'était aussi une donnée importante. Mais les Néandertaliens, contrairement à nous, ont plusieurs particularités anatomiques, mais une particularité anatomique qui est importante pour la chasse. Ils ont, au niveau de l'épaule, les paléanthropologues ont beaucoup étudié, bien sûr, les ossements de Néandertaliens, et notamment, ils ont travaillé sur tout ce qui est épaule, le bras, l'omoplate, la clavicule, etc. Et ils ont mis en évidence que, contrairement à nous, moi je ne peux pas aller pour vous non plus, on ne peut pas aller plus loin. Hein. C'est-à-dire que nous, on est limité. Alors qu'ils pouvaient faire un mouvement plus vaste, et donc ça veut dire que quand vous lancez votre saguet, on va parler en termes simples, votre projectile, vous le lancez avec beaucoup plus de force si vous pouvez aller plus loin. Et donc ça, c'est une donnée importante au niveau de l'anatomie qui permet aussi d'expliquer que peut-être, contrairement à un sapiens, il pouvait se mettre un petit peu plus loin parce qu'il tirait plus loin et en plus le projectile avait plus de force pour rentrer dans l'animal. Donc ça, c'était une donnée importante pour nous qui travaillons sur les comportements, cette donnée anthropologique. Et je dis toujours en plaisantant, en fin de compte, comme les sapiens n'avaient pas ça, Cro-Magnon, lui, il a été obligé d'utiliser, de créer, d'inventer le propulseur. Parce que ce système de levier, l'anatomie du bras et de l'épaule des Néandertaliens, ça forme un système de levier beaucoup plus efficace que chez nous. Et donc là, par contre, pour les sapiens, ils ont inventé le propulseur hein, qui a la même fonction, c'est-à-dire qui permet de viser de plus loin et de viser plus fort. Donc voilà, c'était aussi ça des données importantes. Alors le gibier préféré, il y a des occurrences hein, qu'on rencontre. Là, c'est une synthèse de gibier à partir des sites que je vous ai dit tout à l'heure, 340 sites, qui mettent en évidence qu'il y a un animal qui revient très fréquemment, c'est le cheval. Alors c'est pas ce cheval-là, ce que j'ai mis ce Przewalski, parce que j'aime beaucoup les Przewalski et qu'il faut les protéger. Ils ont connu les Przewalski, les premiers hommes modernes, mais les Néandertaliens n'ont pas connu. Il y avait plusieurs variétés de chevaux, mais c'était des chevaux qui ressemblent beaucoup à ces chevaux sauvages. Et là, c'est quand même une donnée importante, parce que le cheval, c'est un animal qui n'est pas facile à chasser. Et donc, là aussi, ça montre qu'il fallait mettre en évidence des stratégies, parce qu'on ne chasse pas comme ça, c'est plus facile de chasser, par exemple, le bison. Hein, qui sont en grand troupeau, beaucoup plus important que les chevaux, et en plus, il y a pas cette. Les chevaux, non seulement ils sont véloces, non seulement ils vont vite, mais ils sont très sensibles. Voilà, ils sentent tout de suite au niveau de l'odeur, au niveau du bruit, au niveau de la vue, etc. Donc c'est un animal très craintif, et donc c'était pas forcément évident. Et on pense que c'était l'utilisation des bolas, par exemple, était quand même important pour les chevaux. Il y a les bisons. Là, ça fait partie là aussi de parmi les gibiers les plus fréquents. Il y a le renne, évidemment. Il n'y a pas que les hommes modernes qui ont chassé le renne. On voit toujours les Magdaléniens avec les rennes, mais les Néandertaliens, il y a des sites où il y a 99% de rennes. Hein. Donc, c'est vraiment des chasseurs de rennes. Comme les chevaux, il y a des sites où il y a 80%, 90% de chevaux. Il y a ces animaux dont je vous parlais, ces animaux rupicoles. Et il y a, dans les régions plus méditerranéennes, évidemment, à la place du renne, il y a le cerf. En Espagne, en Italie, en Grèce, là, ce sont des chasseurs de cerfs. Donc, il y a ces animaux très, très fréquents. Et regardons quand même à l'est.
parce qu'on oublie des fois un peu le côté oriental, alors qu'on a beaucoup de nouvelles données. On mène actuellement avec mon équipe beaucoup de fouilles dans ces régions. Et donc nous avons là, d'une façon plus conséquente que du côté occidental de l'Europe, le mammouth. En Europe, le mammouth il est pas abondant du tout dans les sites néandertaliens. On trouve toujours une dent, un fragment d'ivoire, etc. Mais il n'y a pas grand-chose. On sait que le mammouth a été présent à certaines périodes avec les néandertaliens, mais c'était pas du côté occidental de l'Europe, c'était pas un grand chasseur de mammouth. Alors que du côté oriental, même déjà en Europe centrale, en Allemagne et en Pologne, etc., nous avons là des sites importants, et bien sûr en Ukraine et en Russie, où on a pas mal de restes de mammouths dans les sites néandertaliens. Et il y a surtout deux espèces qui vraiment sont extrêmement abondantes. Je travaille sur des sites où ils sont à 90% dans ces sites. Ce sont les Equus hydrontinus, donc c'est un petit équidé qui ressemble un peu à l'émion asiatique, et l'antilope saïga. Alors l'antilope saïga, vous la connaissez, elle est dans le désert de Gobi. D'ailleurs, elle est en grand danger actuellement parce qu'elle a été trop chassée. Et ce sont des animaux très fragiles et qui vivent pas très longtemps. Ils ont une durée de 10 ans maximum. Et ces animaux, c'est intéressant, l'antilope saïga, même l'hydrontinus, c'est qu'ils vivaient chez nous. Par exemple, en Gironde, il y a deux périodes où on voit, pendant l'avant-dernière glaciation et pendant la dernière glaciation, il y a deux petits épisodes climatiques relativement froids où l'antilope saïga est présente. Et pour nous, c'est un bon indice de climat. Donc, elle est venue jusque nous, elle a été jusque chez nous. Mais en Europe occidentale, elle n'a pas été beaucoup chassée. Et alors, il y avait bien sûr, là aussi, ce qui montre la richesse de la faune herbivore, c'est qu'il y avait beaucoup de carnivores. Et vous savez que l'équilibre est important quand il y a beaucoup de carnivores, c'est qu'il y a un gibier abondant. Et donc là, c'est intéressant, il y a beaucoup de carnivores, essentiellement des ursidés, des ours bruns, des ours des cavernes, bien sûr que vous connaissez. Et il y a les canidés, c'est-à-dire que nous avons les loups, nous avons les renards, alors on a à la fois des renards communs, les renards roux et des renards polaires, et on a d'autres plus grands carnivores, notamment le lion des cavernes, qui est un super prédateur, et autre super prédateur, qui n'est pas seulement charognard comme on le croit, c'est la hyène des cavernes. Et la hyène des cavernes, elle est omniprésente dans les sites néandertaliens. C'est un animal redoutable, qui est un grand chasseur, et en plus, qui était l'hyène la plus forte au niveau de sa mâchoire, de sa dentition. Elle pouvait casser, on a ça dans les sites, dans les repères de hyènes des cavernes, elle pouvait casser des humérus, des fémurs, des chevaux, des bisons. Donc vraiment une puissance, quand on voit sa mâchoire, une puissance terrible. Et donc c'était là aussi vraiment un concurrent. Il ne faut pas oublier que l'homme est prédateur à cette époque, mais il y a d'autres prédateurs. Et là, c'est important de l'avoir en tête, parce qu'au niveau des stratégies, là aussi, de chasse et tout, ça va bien sûr influer. Alors, c'était des grands mangeurs d'herbivores, si j'ose dire, de grands mammifères herbivores, et bien sûr, peu de carnivores. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Les carnivores sont quand même relativement peu consommés. On a un peu de consommation d'ours, de loups, de renards, mais pas d'hyènes. Par contre, on n'a pas de preuve de consommation de la hyène ou de lion des cavernes. Par contre, on a souvent, évidemment, la présence de sites de carnivores qui ont été chassés par les néandertaliens, mais on s'aperçoit en regardant les traces sur les ossements que c'était essentiellement pour récupérer la fourrure. Donc ça, c'est clair que c'était quelque chose qui est quand même assez ciblé. Donc ce sont, je vous le dis, des concurrents. Voilà, là, c'est bien sûr, ça, c'est une reconstitution, hein, puisque l'hyène des cavernes n'existe plus. Et pour nous, je ne rentrerai pas dans les détails de taphonomiste, mais pour nous, les hyènes sont des animaux qui sont extrêmement perturbateurs. Quand on étudie les sites, on est obligé de faire une analyse taphonomique, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on regarde tout ce qui s'est passé, l'histoire. On essaie de voir l'origine et l'histoire du matériel. Et on s'aperçoit que quand il y a des carnivores, notamment quand il y a la hyène des cavernes, on perd beaucoup d'informations, puisque ce sont des destructeurs de sites. Souvent, quand l'homme partait, les carnivores venaient occuper le site, notamment les grottes, et faisaient évidemment beaucoup de dégâts. C'est-à-dire qu'à la fois, elles déplaçaient les objets, donc on a du mal après à faire la répartition spatiale, essayer de retrouver la structure du campement.
Et aussi, évidemment, elle cassait les os, elle broyait les os qui restaient, et elle s'installait, et quand elle faisait des nurseries, quand elle s'installait pour mettre bas et tout, en plus, ils amènent du gibier. Et donc, souvent, dans les sites archéologiques, il y a ce qu'on appelle des palacettes de sol, c'est-à-dire que tout ça, ces occupations se mélangent, et on a du mal à savoir qui fait quoi. Donc, c'est pour nous un vrai travail de séparer tout ça. Et nous sommes extrêmement heureux quand nous travaillons dans des sites, et en Europe orientale, je suis très heureuse parce qu'il y a beaucoup de sites où elles ne sont pas venues, ni les loups d'ailleurs. Et ça, là, on est beaucoup plus tranquille pour essayer de voir ce qui s'est passé, de reconstituer les comportements des Néandertaliens. Alors, les stratégies de chasse, là aussi, quand on fait une étude globale, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'opportunisme. Alors, il y a très peu. Alors, comment vous allez me dire, oui, mais comment on peut mettre en évidence? Ben, c'est simple, c'est-à-dire qu'il y a des... L'opportunisme se caractérise par une non-sélection du gibier. C'est-à-dire qu'on a un peu de tout ce qui était dans l'environnement. Et ça, c'est très rare. Ça, on le voit plus avant, avec les érectus. Eux, il y a plus déjà une sélection. Et ces sélections, c'est souvent sur une ou deux espèces. C'est ça qu'on voit le plus fréquemment. Parce que lorsqu'on a étudié des sites, ou quand je vous dis il y a 90% de telle espèce dans tel site, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est lié à un site particulier, notamment à des sites d'abattage et de boucherie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le campement des Néandertaliens, mais sur leur lieu de chasse et de boucherie. Et évidemment, là, on n'a qu'une seule espèce. Donc ça, ce sont des données importantes de voir qu'on est plutôt dans une ou deux espèces, et quand on peut faire la saisonnalité, on s'aperçoit que souvent, il y a une espèce qui a plutôt été chassée pendant la période estivale et l'autre pendant la période hivernale. Donc ça, c'est assez intéressant aussi pour avoir un peu l'idée de leur comportement. Autre donnée aussi qu'on peut avoir, c'est bien sûr un choix sur l'espèce. Donc voilà, les traditions de chasseurs de chevaux, traditions de chasseurs de bisons, chasseurs de rennes. Mais à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a des choix aussi sur le sexe. C'est-à-dire qu'il y a des sites où on voit que c'est surtout les femelles et leurs jeunes, les jeunes qui ont été abattus. D'autres sites, on voit que ce sont les mâles. Et il y a eu une étude très intéressante qui a été faite par un Américain pour expliquer ça. Il avait constaté ça sur les sites de kill site de bisons, hein, le site d'abattage de bisons par les paléo-indiens. Et il avait montré qu'en fin de compte, c'était en lien avec la viande grasse. C'est-à-dire qu'il avait montré, il a fait toute une méthode qu'on essaie d'appliquer, qui montrait qu'en fin de compte, les préhistoriques, parce que c'était des sapiens, chassaient plutôt des espèces à viande grasse, c'est-à-dire qu'ils évitaient de prendre des animaux qui sont à viande maigre. Alors, comment on peut faire? Ben, c'est simple, c'est-à-dire que surtout sur les bisons, mais aussi sur beaucoup d'autres herbivores de cette période, on peut mettre en évidence que pendant après la naissance, les femelles sont particulièrement, enfin pas particulièrement, mais elles sont plus maigres, et la viande est plus maigre, et les mâles sont gras, et alors inversement, à l'automne, à un moment du rut, et juste après le rut, ben les mâles ont perdu beaucoup de poids, et la viande est plus maigre. Et dans les sites, on voit bien que justement, les saisons correspondent à des animaux gras, ou des animaux maigres, enfin l'absence plutôt d'animaux maigres. Donc ça, c'est une donnée intéressante, vous voyez, il y avait aussi ce choix notamment aussi la structure familiale des troupeaux, donc plutôt vers les femelles et les jeunes que vers les mâles. Il y a aussi quelque chose d'important qu'on a mis en évidence, c'est que ce sont principalement des animaux avec de la viande, mais aussi des animaux qui sont plutôt migrateurs, pardon, et qui aussi sont grégaires, donc qui vivent en grand couple. Ils ont chassé les animaux solitaires comme les aurochs, mais très rarement, préférant donc des animaux qui vivent en groupe, en troupeau. Ça aussi, c'est une donnée importante, et plutôt migrateur, parce qu'eux se déplaçaient en fonction du déplacement de ce gibier. Une autre donnée qui était intéressante, qui était un peu surprenante quand on travaille sur les techniques de chasse, et pour un chasseur, c'est assez aberrant, c'est qu'on a mis en évidence qu'ils tuaient des femelles gravides. Alors, comment on l'a mis en évidence? Simplement parce qu'on trouvait des os de fœtus, hein. Et donc, ça, c'était intéressant, parce que comment expliquer le fait qu'ils tuaient des femelles gravides? C'est au niveau cinégétique, c'est absolument aberrant. Et en fin de compte, probablement, alors ça, c'est bien sûr, c'est une hypothèse qui est difficile à prouver avec vraiment du matériel, c'est probablement parce que dans les jeunes,
il y a des oligoéléments, des vitamines, ça, des éléments, disons, qui ne sont pas présents, ou plus, en tout cas plus abondants dans, chez les jeunes que chez les adultes. Et ça, c'était quelque chose d'important. En plus, il y a le placenta. Et on a émis cette hypothèse parce qu'on a regardé dans quel moment on était. Et souvent, il y a une corrélation entre la présence de ces femelles gravides abattues, de ces fœtus, avec une période de pénurie, une période un peu plus difficile, hein, notamment à la fin de l'hiver, à la fin de la période hivernale et tout ça. Donc là, on voit qu'ils n'hésitent pas à tuer ces femelles gravides. Et donc, ça, c'était aussi une donnée intéressante. Alors, bien entendu, là, on s'intéresse toujours quand on voit les comportements de chasseurs ou grands mammifères. Mais aussi, ils ont consommé en abondance d'autres mammifères, comme les lapins et les lièvres, surtout les lièvres. À cette période-là, on a essentiellement des lièvres. Les lapins, c'est surtout dans les pays méridionaux. Hein. Sinon, il n'y avait pas de lapins en France. On a essentiellement, à cette période-là, hein, essentiellement des lièvres, etc. C'est une question de biotope et de climat. Mais ils ont consommé pas mal de ces lagomorphes. Et ça, c'est aussi important parce que dans une des dernières publications que j'avais vues espagnoles, où on expliquait que les Néandertaliens avaient disparu parce qu'ils ne savaient pas chasser le lapin. Bon, c'était quand même quelque chose d'assez surprenant parce qu'en fin de compte, non, ils ont beaucoup chassé le lièvre et même différents lièvres. Le lièvre dans les steppes en Russie et tout, ils ont les lièvres siffleurs, etc. Et donc, ils ont chassé ces animaux. Ils ont chassé aussi, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas des fanatiques des oiseaux. Ils ont quand même chassé un peu d'oiseaux. Et surtout, là, les données importantes, parce que là aussi, ça a été une des explications données pour la disparition des Néandertaliens qui ne mangeaient pas assez d'oméga-3. Eh bien, non, en fin de compte, ils ont consommé pas mal de coquillages marins et pas mal de poissons. Bien sûr, essentiellement des poissons d'eau douce. Donc, tout ça était, vous voyez, est remis un peu en question. Et tout ça montre qu'en fin de compte, c'est assez vaste comme consommation. Et parmi les nouveautés, et ça c'est tout à fait nouveau, je vous ai mis exprès les références bibliographiques, on pensait évidemment qu'ils avaient aussi un apport bien sûr de végétal, parce qu'on ne peut pas être essentiellement carnivore, ne manger que des protéines animales. Donc il y avait aussi bien sûr cette supposition qu'ils mangeaient du végétal, parce que pour nous, archéologues, c'est très difficile, je parle surtout pour paléolithique, très difficile de mettre en évidence cette alimentation végétale. On n'a pas, parce que les pollens que l'on a sont des pollens donc qui nous permettent de reconstituer dans les sites archéologiques, qui nous permettent de reconstituer l'environnement, mais qui nous donnent peu d'indications sur sur la consommation de ce végétal, parce que vous savez que les pollens ça vole, etc. Ça vient dans les sites, c'est pas apporté forcément par l'homme, donc on peut pas, c'est parce qu'on a des pollens d'Artémis qu'ils ont mangé les Artémis. Donc c'était un petit quelque chose qui nous manquait. Alors avec les analyses biogéochimiques, on a vu que cette part de végétal était quand même modérée, mais elle existait. Et là, tout à fait récemment, donc on a eu plein de données qui sont sorties, et on a mis en évidence qu'il y avait des consommations de plantes. Là, j'ai mis quelques exemples, hein, notamment les nénuphars, par exemple. On m'a dit, mais si, ça se mange des fleurs de brombe. Donc, ils ont mangé des nénuphars. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette consommation de graminées sauvages, hein, ces graminées qui vont être domestiquées après, qui m'ont donné ces céréales, eh ben, ils étaient déjà récoltés. Surtout que là, on est dans ces périodes-là, on est surtout dans les périodes glaciaires, on est dans ce qu'on appelle la steppe à mammouth. Hein. C'est-à-dire que c'est une steppe, l'herbe est assez rase. Et puis, il y a toujours quand même, autour des cours d'eau, il y a toujours un peu d'arbres, d'arbustes, etc. Il y a toujours quand même des choses qui peuvent produire là aussi des éléments qui peuvent être, enfin des aliments, pardon, des choses qui peuvent être consommées. Et là, on a récemment donc montré qu'il y avait une consommation des graminées en particulier. Et la nouveauté, et ça c'était très important en étudiant notamment le tartre, hein, qui était sur les dents des Néandertaliens, on a mis en évidence que non seulement qu'ils mangeaient, pardon, ces céréales, mais en plus, ils les mangeaient cuites. Et probablement, ils faisaient des farines, ils écrasaient, et soit ils mettaient comme un bouillissage, soit ils faisaient un peu une bouillie, ou soit même ils faisaient comme des galettes de céréales.
Et là, ça, c'est une donnée importante parce que vous voyez que c'est une autre vision, un autre regard qu'on a sur l'alimentation des Néandertaliens. Parce que faire des galettes comme ça de céréales, vous voyez, ça fait très, très contemporain. Donc, en résumé, sur ce comportement alimentaire, c'était, contrairement à ce qu'on pensait, c'est beaucoup plus varié et diversifié. Et là, c'est quelque chose de, pour nous, qui a été très important et très révélateur sur, justement, leur enracinement dans notre humanité, quand même. Le gibier, pour ses prédateurs, pour ses non-producteurs, c'est très important aussi à être conscient, enfin, au niveau de ce qu'ils peuvent apporter. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, évidemment, des ressources alimentaires. Bien sûr qu'il y a la viande, bien sûr qu'il y a le gras, bien sûr qu'on peut récupérer la moelle, ça on le voit, c'est systématique, ça c'est tous les peuples. Et donc on voit qu'il y a toute cette consommation, tout ce côté alimentaire, mais aussi c'est un ensemble de ressources non alimentaires. Et ça c'est une donnée importante. C'est-à-dire que dès les Néandertaliens, on voit une récupération d'autres ressources qu'alimentaires, comme la peau, évidemment, hein, la fourrure, la peau, les tendons. Là aussi, on voit très bien les incisions à des endroits très précis d'insertion de ces tendons et tout sur les os. Donc, on voit qu'il y a prélèvement de ces tendons, donc pour faire des ficelles, des liens, etc. Hein. Donc voilà, il faut qu'ils trouvent dans la nature tout ce dont ils ont besoin. Et l'animal était vraiment une somme de toutes ces ressources. C'est intéressant. Et les ossements, donc ils vont récupérer pas mal de choses. Mais surtout, ce qui est important quand on travaille sur la technique de boucherie, entre guillemets, des Néandertaliens, on voit que là aussi, comme pour le lithique, il y a toute une chaîne opératoire. C'est-à-dire qu'on ne dépèse pas l'animal n'importe comment quand on veut récupérer le maximum de ressources. Et on voit très bien qu'il y a un enchaînement là aussi de gestes, qu'il y a des récupérations à chaque niveau de certaines parties. Et ça, pour nous, c'était une donnée importante. Alors, quelques exemples hein, de récupération de ces ossements. On pensait que les cabanes en os de mammouth, c'était essentiellement fait par les épigravétiens, c'est-à-dire par les hommes qui vivaient il y a 15 000 ans, donc en Russie, en Ukraine, mais que ça n'avait pas été fait par les Néandertaliens. Et en fin de compte, on a travaillé sur un site qui s'appelle Molodova, on a montré qu'en fin de compte, si, il y avait récupération de ces ossements pour faire des abris. Alors, à Molodova, on n'a pas ces grandes cabanes comme Meserich ou Mézine, qui sont aussi des sites ukrainiens, mais on a des abris, c'est-à-dire qu'on a des constructions à mi-hauteur qui protègent bien, et donc après on devait mettre quelques morceaux de bois et mettre bien sûr une couverture en peau. Donc on a quand même cette activité de collecte d'ossements de mammouth pour construire ces abris. Et on a beaucoup travaillé sur la question, est-ce que ces ossements, on l'a fait aussi d'ailleurs pour les sapiens, est-ce que ces ossements proviennent d'animaux tués, c'est-à-dire de mammouths tués, ou de récolte d'ossements? C'était une donnée intéressante. Et avec toutes les réflexions qu'on a menées, les études qu'on a reprises pour voir le nombre de mammouths, bon, il y a des sites comme Meserich et tout, c'est 53 mammouths. Donc vous imaginez bien que les gars, pour construire leur cabane, ils n'ont pas tué d'un seul coup 53 mammouths. Et en plus, essayez de vous mettre à la place des habitants de ces abris, d'utiliser de la viande, enfin des ossements frais provenant d'animaux tués où il y a encore un peu de viande et tout, vous imaginez un petit peu les bestioles et tout qui peuvent venir. Donc tout ça a été très peu réaliste. Et donc on a essayé de faire des datations, là je parle surtout pour les cabanes sapiens, de faire des datations de différents ossements de mammouth pour voir l'âge par rapport aux ossements de rennes consommés. Et on voit qu'il y a souvent des différences. Donc il y avait une collecte vraiment plutôt d'ossements fossiles déjà, en tout cas d'ossements secs. Hein. Des fois ils ont même récupéré vraiment des ossements fossiles. Donc il y avait dans les steppes sans doute des amas comme ça d'os de mammouth, et les ont récupérés. Ils n'ont pas chassé 53 mammouths d'un coup pour faire un habitat. Donc il y a chez les Néandertaliens déjà ce comportement de collecteur d'ossements secs, voire fossiles. L'utilisation, alors là bien sûr, de la peau, on vient d'en parler, des ligaments, il y a tout ça. Et il y a une particularité chez les Néandertaliens, c'est par rapport aux ossements travaillés,
Il y a très peu d'ossements récupérés, alors qu'ils sont sur un tas d'os. Hein. Très peu d'ossements récupérés et façonnés. Ils n'ont pas ce que fera plus tard Sapiens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vraie industrie osseuse. Et on va essayer de discuter, d'essayer de trouver pourquoi. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire une petite synthèse là de différences et de similitudes entre les Néandertaliens au niveau comportemental et puis les hommes modernes. Donc évidemment, maîtrise du feu, mais ça ce sont les erectus, l'alimentation variée, ils sont tous chasseurs, le gibier comme un ensemble de ressources. Et donc il y a aussi un comportement qui n'est pas du tout inféodé autant qu'on le pensait à l'environnement. Ils sont restés dans les mêmes lieux, etc. Alors qu'il y avait un petit changement climatique. Et donc, il n'y a pas cette vision là aussi que dès qu'il fait froid, hop, les blancs partent dans le sud. Ça marche pas comme ça. Il y a une structuration de l'habitat. On étudie la répartition spatiale du matériel dans un site, on s'aperçoit qu'il y a des zones d'activité, des zones de couchage, des zones de passage. Et donc, on arrive à bien mettre ça en évidence. Il y a même des choses très jolies. Il y a des sites en Espagne où on voit les aires de couchage et à côté, il y avait des petits foyers, donc un peu une petite lumière. Donc, il y a vraiment une structuration de l'espace, notamment de l'espace domestique. Alors, quelques différences. Donc, des camps plutôt saisonniers chez les Néandertaliens, alors que les hommes modernes, peut-être pas les Aurignaciens, qui sont plutôt comme un comportement au niveau des déplacements comme les Néandertaliens, mais chez les Magdaléniens, par exemple, on va avoir des choses plus statiques. Ils sont presque, je ne vais pas dire sédentaires, ça ferait pousser des hauts cris, mais presque. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus, plusieurs années sur le même site, il n'y a pas ce déplacement aussi fréquent que chez les Néandertaliens. Une très grande mobilité, ce qui va bien sûr avec les déplacements. Vaste de territoire, les sapiens vont être sur des territoires plus modérés. Ça, on le sait notamment par l'étude de la matière première des pierres, hein, du silex ou autres matériaux lithiques, pour mettre en évidence ces déplacements, ces rayonnements. Et les ossements utilisés, donc il y en a, hein, je vous ai montré des retouchoirs en os, il y a quelques bifaces en os, il y a quelques pointes en os, mais c'est très peu, très très peu. Par rapport à ce qu'on va avoir à une véritable industrie osseuse chez les sapiens. Alors on a beaucoup discuté, on a beaucoup débattu entre nous sur pourquoi. Pourquoi les Néandertaliens n'ont pas utilisé les ossements, alors qu'ils étaient assis dessus, si j'ose dire. Alors il y a eu beaucoup de spéculations, il y a eu beaucoup de... on a dit c'est parce que ils n'avaient pas la technique, et ça c'est tout de suite tombé, cette hypothèse là maintenant plus personne tellement l'utilise, parce qu'en fin de compte quand on peut faire du levallois, quand on peut faire même du laminaire, etc., tailler ça, on peut tailler des ossements, donc c'est pas une incapacité technique. On a dit c'est peut-être parce qu'ils avaient une grande maîtrise du bois végétal. Quand on fait la tracéologie, c'est-à-dire qu'on étudie les micro-traces sur les outils, on s'aperçoit qu'énormément de racloirs, par exemple, ont servi à écorcer les arbres. Ils ont même fait des pointes de projectiles en bois. On a les vestiges dans certains niveaux très bien conservés, argileux. On voit très bien l'empreinte de ces pointes en bois. Donc, il y avait une vraie maîtrise du bois végétal. Et donc là, est-ce que c'était à cause de ça? Mais sinon, je vais vous proposer une autre interprétation, une autre hypothèse, à laquelle j'ai réfléchi avec notamment le professeur Marcellotte de l'Université de Liège. Et on a regardé pourquoi. Et on s'est aperçu que chez les peuples chasseurs-cueilleurs, la plupart, subactuels je parle, la plupart n'ont jamais utilisé les armes naturelles des animaux. C'est-à-dire que pour tuer un cerf, ils n'ont pas pris les bois de cerf pour faire des pointes et tuer avec cette pointe les cerfs. Et c'est presque une constante. Donc ça, c'était une première observation. La deuxième observation, c'est quand on se place dans cette cosmogonie, les Néandertaliens vivent dans cette nature grâce à la générosité de cette nature, c'est-à-dire que les rapports, comme chez les peuples chasseurs-cueilleurs d'ailleurs subactuels, le rapport à la nature est évidemment, c'est un rapport de complexe, de liens, de relations très complexes, et probablement qu'ils avaient dans leur cosmogonie, là aussi peut-être certains animaux, on voit qu'il y a certains animaux qui n'ont pas tellement été chassés, et on va en parler un petit peu si j'ai le temps. Et donc on
probablement qu'il y avait un lien très fort avec les espèces qui étaient dans leur environnement. Et peut-être que ce lien, c'était comme chez les pommes dont je viens de parler subactuelles, faisait qu'ils n'allaient pas prendre les bois des rennes pour faire des sagaies et tuer les rennes. Donc c'était une hypothèse qu'on a avancée. Et on nous a dit, oui, mais pourquoi les sapiens, à ce moment-là, eux, ils ont fait ça. Les sapiens en Europe, qui arrivent en Europe, pourquoi ils ont fait ça? Alors nous, on avance une hypothèse, c'est parce que, justement, les sapiens qui arrivent, ils viennent du Proche-Orient. Ils étaient dans un milieu complètement différent, avec un environnement complètement différent. C'est-à-dire que leur environnement, c'était des daims, des gazelles. Ils arrivent en Europe, ils voient des rennes, des bisons, des mammouths. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, dans leur cosmogonie à eux, ces animaux ne sont pas présents. Donc, peut-être que le lien avec ces nouveaux animaux, entre guillemets, n'était plus lâche, était plus distancié. C'était moins des animaux de proximité, en quelque sorte. Et donc, peut-être qu'il n'y a pas eu ce, entre guillemets, ce tabou. Donc, ça, c'est une hypothèse que je vous livre. Alors, on va parler quand même aussi d'autre chose, de ce comportement de subsistance, c'est important, mais il y a maintenant aussi des nouvelles données. On a beaucoup glosé sur le fait que, est-ce que les Néandertaliens avaient un langage articulé ou pas. Alors ça a fait des pages et des pages, et là aussi, il y avait un peu les deux écoles, l'école anglo-saxonne et l'école française, plutôt européenne, où on disait, pour nous, il n'y a pas de souci, il y a un langage articulé. Au niveau de leur anatomie, tout est en place pour avoir un langage articulé. Au niveau de leur comportement, là aussi, on voit pas. Il y a besoin dans certains comportements, notamment de chasse et tout, d'avoir ce langage. Donc pour nous, ça faisait pas de problème. Mais évidemment, on n'était pas là pour enregistrer. Parce que pour les sapiens, les premiers sapiens, on se posait pas la question, comme ils sont comme nous sapiens, donc forcément, ils ont un langage articulé. Mais les Néandertaliens, ça discutait, ça débattait. Donc, je vous passe tous les arguments qu'on a utilisés pour montrer qu'il y avait ce langage articulé. Mais maintenant, là aussi, il y a une découverte intéressante d'un gène qui est associé chez nous, présent chez nous, qui est associé donc au langage, et qu'on a retrouvé chez les Néandertaliens. Donc là, c'est une donnée de plus. Parce que non seulement on voit bien avec les endocrânes, avec les moulages d'endocrânes, qu'il y avait l'aire de Wernicke, qu'il y avait l'aire de Broca, etc., que les aires de langage sont en place, que la capacité crânienne, c'est 1700 cm3 chez les Néandertaliens, plus que nous. Et donc il y avait cette possibilité, ces espaces étaient présents, étaient bien là. Donc pour nous, il n'y avait pas de problème. Mais là, ce gène vient un peu confirmer qu'il y avait ce langage articulé. Ils enterraient leurs morts, donc ça c'est quelque chose d'important aussi, évidemment les sépultures, c'est-à-dire qu'au niveau de leur pensée, il y avait des pensées, l'existence de pensées métaphysiques, bien sûr ça nous échappe, comment ils le comprenaient, comment ils envisageaient la mort, est-ce que bon ça c'est complètement, pour nous, on peut pas vraiment trouver quelque chose qui va démontrer quelle était leur vision de la mort. Ce qu'on peut voir c'est qu'ils enterrent leurs morts, et aussi que dans ces sépultures, très souvent, on a des objets. On a des objets, soit des objets protecteurs, c'est-à-dire qu'on va voir des dalles sur les sépultures, on va voir des coussins de pierre mis, bien sûr, intentionnellement, sous la tête, on va voir au-dessus des sépultures des foyers, mais aussi dans les sépultures, à côté du corps, on va voir un beau racloir, par exemple. Quand on analyse, on voit qu'il n'y a pas été utilisé, donc il a été fait, taillé, mais pas utilisé, donc mis dans la sépulture. On voit des morceaux de gibier, c'est-à-dire qu'on a par exemple un fémur donc de bison, donc il devait y avoir la viande avec, évidemment, ils n'ont pas mis seulement l'os de bison. On a des ramures de bouquetin, par exemple. Donc il y a des choses qui sont mises, alors on appelle ça offrande parce qu'on n'a pas d'autres termes. Mais en tout cas, il y a des objets qui accompagnent le mort, le défunt. Mais ce qui est important, et ça c'est aussi significatif pour moi, c'est qu'il n'y a pas seulement les sépultures. Parce que tout le monde montre qu'il y a une considération pour le mort, qu'on fait quelque chose vis-à-vis. Mais il y a d'autres techniques qui, en fin de compte, sont aussi des rites funéraires. Et qui ne sont pas liés à ça, mais qui peuvent exister. Et notamment, un rite funéraire qu'on appelle en deux temps, c'est-à-dire qu'on laisse le cadavre à l'air libre, il se décompose, souvent en plus il y a les bêtes, les charognards, etc. Et après on récupère
ce squelette, tout ou partie, hein, soit tout le squelette qu'on enterre, par exemple, ou qu'on met dans la grotte, et puis, ou une partie. Donc, vous voyez, il y a différents rites. Alors, là aussi, c'est une question qui était très importante pour nous, et donc, on a travaillé pas mal avec des collègues sur cette question-là. Et on a mis en évidence, bien sûr, qu'il y avait des sépultures, qu'il y avait des inhumations en deux temps, là, dont je viens vous parler. Mais aussi, entre guillemets, parce que là, on n'a pas de mots non plus, culte des ancêtres, culte des crânes. Parce que on a très souvent, dans les grottes, seulement le crâne. Et je peux vous dire qu'en tant que taphonomiste, un crâne, c'est une boîte avec rien dedans. C'est-à-dire que, vous imaginez, c'est quand c'est dans la terre, avec les couches successives, la pression et tout, si on mange sur le site au-dessus, etc. Vous voyez un peu, ça peut facilement se casser, complètement s'écrouler. Donc c'est très sensible, c'est facilement détruit. Alors quand il n'y a que ça et qu'il n'y a pas d'autres os, alors que ce sont des fois des os très résistants, l'astragale, etc., qu'on voit rien d'autre, donc il faut se poser la question. Et l'interprétation, c'est de dire qu'en fin de compte, il n'y avait que ce crâne, c'est-à-dire que ce crâne était mis intentionnellement dans la grotte, ou avait été laissé intentionnellement dans la grotte. Et nous avons eu la chance à Kebara de mettre en évidence que l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un squelette, mais il n'y a pas de tête. Et d'après les fouilleurs, notamment le professeur Van der Mersch, d'après les fouilleurs, la tête a été séparée volontairement, post-mortem, hein, mais volontairement du crâne. Donc pour faire quoi? Probablement pour l'emmener ailleurs. Donc vous voyez, il y a des choses nouvelles et importantes. Et ne pas oublier, je sais que peut-être certains vont juger que c'est un peu excessif que je le mette en rite funéraire, mais je le mets en rite funéraire, il y a l'endocannibalisme. Et ça, c'est très important. L'endocannibalisme, on connaît très bien, il y a plein d'écrits dessus, il y a plein de littérature, plein de textes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange un bout de sa grand-mère, par exemple, qui vient de mourir. Et ça, c'était pratiqué chez les Néandertaliens, ça sera pratiqué chez les premiers hommes modernes aussi, hein. Donc il y a ce rite funéraire aussi. Donc en fin de compte, il y a plusieurs, déjà à cette époque-là, plusieurs types d'enterrement, enfin de considération du défunt, du corps du défunt, plusieurs traitements. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Là aussi, tout nouveau, plein de choses, enfin, pas la collègue, parce que ça, on connaît depuis un moment, mais on a plein de sites où on s'aperçoit qu'ils ont apporté dans le site, c'est vraiment des pièces à Loukdone, ils ont vraiment apporté dans le site des beaux fossiles, on a des trilobites, on a des ammonites, qu'ils ont amené volontairement dans leur campement. Des beaux cristaux, on a des améthystes, etc. Donc, ils ont amené. Et on a beaucoup d'ocre. Alors, on a beaucoup glosé aussi, là, sur l'ocre, parce que l'ocre, on peut faire plein de choses avec l'ocre. On peut faire, notamment, ça assainit la grotte. Hein, si vous faites de la poudre, vous l'étendez sur le sol. Bon, ça sert aussi pour les peaux. Mais ça peut servir aussi à d'autres choses. Et notamment, on a retrouvé des nodules d'ocre où on voit des traces, comme quoi on avait, en fin de compte, fait de la poudre, hein, et puis récolté cette poudre. Et donc là, on s'est posé la question sur la possibilité d'utiliser cet ocre pour des dessins corporels, par exemple, ou des dessins sur d'autres supports qui ne se conservent pas, c'est-à-dire pas sur les parois des grottes, etc., mais comme l'écorce des arbres, comme la peau, disons, là aussi, on peut faire très bien avec l'ocre des dessins sur ça. Donc, en tout cas, on a ces quantités d'ocre importantes. Là, question de la collecte de végétal pour faire des liens, etc., évidemment, a été supposée. Et là, nous avons même retrouvé, donc, dans des contextes particuliers de conservation, évidemment, des fibres, l'empreinte de fibres torsadées. C'est-à-dire qu'ils récoltaient, ils faisaient des tresses de ces fibres végétales. Donc ça aussi, c'est des travaux récents qui montrent qu'il y a vraiment des choses importantes. Tiens, je vois que c'est mis sur mon... Et aussi, très important et très intéressant, c'est la récupération des cerfs des rapaces. Et là aussi, il y a eu des études, vous voyez, tout à fait récentes, 2012 notamment, qui montrent vraiment qu'il y a une récupération de ces cerfs. C'est souvent des rapaces, il y a des aigles, il y a aussi il y a des vautours. Donc, il y a récupération de ces cerfs. On voit vraiment les traces, les stries laissées par le prélèvement de ces cerfs du reste
de la pâte. Donc vous voyez, ça aussi c'est des choses très importantes, ils récupèrent ce matériel et ça donne une idée là aussi que leur comportement n'était pas qu'un comportement de subsistance, mais qu'il y avait toute une vision du monde, une cosmogonie, un rapport à l'animal qui dépassait la sphère domestique. Là aussi récemment, on a vu des sites où il y avait récupération des plumes d'oiseaux. Et cette hypothèse a été mise en évidence, parce qu'on dit oui, mais on peut prendre, récupérer, on a mangé l'oiseau, on récupère les plumes, bon, on peut faire plein de choses avec les plumes. Pourquoi se parer? Parce qu'il y a un choix. On s'aperçoit que c'est des plumes de certaines espèces et de certaines couleurs qui ont été récupérées. Donc là, je vous ai mis une petite représentation bon, qui peut vous montrer l'utilisation de ces plumes. Mais ça, c'est une donnée nouvelle aussi. C'est, il y a toute une démonstration, plusieurs bien scientifiques, bien carrés, qui montrent qu'il y a vraiment cette volonté de récupérer la plume, pas seulement de plumer un oiseau, et donc pour l'utiliser. Et quelques dents, ce sont les derniers Néandertaliens qui ont fait ça, vers à peu près 30 000 ans, les récupérations de dents et la perforation de ces dents. Alors, musiciens... Je vous montre, parce que peut-être certains ont lu cette publication slovène, comme quoi il y avait une flûte néandertalienne, c'est dans un niveau de 45 000 ans. Et je suis triste peut-être de vous dire que pour moi, c'est pas du tout une flûte. C'est pas, pour moi, j'ai étudié de près les traces laissées par ces perforations, et pour moi, ce sont des perforations dues à des loups. C'est une grotte qu'il n'y a que des ours des cavernes, et c'est eux qui ont cassé d'ailleurs les os, hein, les ours, quand ils piétinent, quand ils reviennent hibernés, etc. Il n'y a pas, il n'y a rien d'autre quasiment, hein. Il n'y a même pas d'outils, etc. Néandertalien, c'est juste la date qui permet de dire qu'on est dans la période néandertalienne. Et quand on regarde de près vraiment ces perforations, on voit bien que c'est pas un outil, ce qu'on connaît, hein, les flûtes, qu'on fait les orignaciens. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout une perforation volontaire, mais c'est simplement les canines de loup. Donc pour l'instant, il n'y a pas de flûte, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faisait pas de musique, ça ne veut pas dire qu'il ne chantait pas. Je veux dire ça, le premier instrument, c'est quand même la voix. Donc peut-être qu'il chantait, peut-être qu'il tapait sur des os, sur des pierres, etc. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de flûte. Et alors là, ça a été un peu la révolution, là aussi. Et malheureusement, sur la photo, ça vous donne l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est des stries. C'est tout à fait récent. Et vous savez, il y a plusieurs, en ce moment, il y a beaucoup de débats parce qu'on trouve des sites avec des peintures même, ou des gravures, et qui laisseraient supposer que c'est les Néandertaliens, d'après l'âge. Mais jusqu'à présent, j'étais très sceptique parce qu'en fin de compte, les datations pouvaient être rarement faites directement. Et on regardait le contexte à côté. Mais comme je dis, pour moi, c'est pas parce que vous avez une peinture ou des traits gravés sur une paroi et qu'il y a un petit foyer en dessous et que vous datez de ce foyer de l'époque néandertalienne, c'est pas pour ça que c'est contemporain. Pour moi, c'était pas suffisant comme preuve. On peut pas associer. Alors que là, c'est autre chose. Là, c'est un morceau qui est tombé dans la couche. Et après, il y a eu d'autres couches, etc. Donc là, c'est quelque chose qui est bien daté de 40 000 ans. Et dans cette région-là, à 40 000 ans, il n'y a pas de sapiens. Donc, voyez, là, pour moi, c'est peut-être la première gravure intéressante, parce que ça fait comme un petit blason. En plus, là, c'est pas des traits comme ça, tout simple. Là, il y a peut-être quelque chose, et ça, c'est tout récent, comme je viens de vous le dire. Et il y a peut-être quelque chose là vraiment de très nouveau et important, parce que pour moi, il n'y a pas de contexte au niveau de la datation. Mais avant, je vous dis, dater les foyers. Alors, l'animal porteur de symboles, là aussi, comme beaucoup de peuples chasseurs-cueilleurs, sont animistes, sont totémiques, sont chamaniques. Donc, bien sûr, il y a toujours des personnes qui d'un seul coup vont penser que les Néandertaliens et même les sapiens étaient chamaniques ou pratiquaient le chamanisme, l'animisme et tout. Donc pour nous, c'est très difficile quand on veut être sérieux. Je veux dire, bon, on peut toujours tout supposer. Mais là, c'est très difficile à démontrer. Alors, j'ai fait je fais juste une petite nuance.
de ce que je viens de dire par rapport quand même à une possibilité de voir qu'un animal a un statut particulier. On travaille sur le statut des animaux dans la sphère domestique, dans la sphère symbolique. Et pour moi, quelque chose d'intéressant qui peut permettre d'émettre l'hypothèse qu'il y a un rapport particulier, c'est quand un animal peut être chassé facilement, aurait dû être chassé facilement parce qu'il est abondant, parce qu'il n'est pas spécialement difficile à chasser, etc. Il est vraiment omniprésent, c'est l'ours des cavernes. Et pour moi, c'est important de voir que quand il n'y a pas la chasse d'un tel animal, peut-être qu'il y a quelque chose de spécial, un statut à part. Et l'ours des cavernes, j'ai vraiment étudié toutes les publications et moi-même les ossements de l'ours des cavernes, etc., ce rapport. Et il y a, pour moi, il n'y a quasiment pas, il y a peut-être une ou deux, parce que c'est les derniers néandertaliens, exception, mais sinon, ils n'ont pas chassé l'ours des cavernes. Alors qu'ils auraient pu très bien le chasser. En plus, cet ours des cavernes, c'est vrai qu'il est grand, il est impressionnant, mais c'est un végétarien. Hein. Toutes les analyses montrent que c'est un végétarien beaucoup plus végétarien que l'ours brun. Et en plus, ce sont des animaux, les ours, voilà, qui sont très fiers, etc., qui sont provocateurs, et c'est très facile, lorsqu'ils se redressent, de les tuer. Donc là, cette non-chasse peut-être indiquer quelque chose de spécial au niveau de son statut. Donc c'était juste pour vous souligner cette part. Alors donc, au niveau de ces différentes similitudes, le langage articulé, le rite funéraire, tout ça, c'est présent. Donc, on vient d'en parler par rapport à l'industrie osseuse. Hein, pour moi, il faut faire attention. Les quelques pièces de parure en parure diversifiée pour les sapiens, c'est rare parure. Et en plus, ces dents que je vous ai montrées d'Arcis-sur-Cure, c'est vraiment la fin des Néandertaliens, vraiment toute fin. Donc là, il y a peut-être un changement de comportement parce que les sapiens sont présents sur le territoire, donc il y a peut-être un changement de la cosmogonie des Néandertaliens, justement. On en parlera la prochaine fois. Et donc là, on voit un petit peu... Mais sinon, il n'y a pas de parure, on n'a pas ça avant. Alors peut-être qu'il y avait des parures, parce que l'absence n'est pas une preuve, encore moins la preuve de l'absence. Et peut-être qu'il y avait des parures qui nécessitaient pas la perforation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si je prends un cristal de quartz et puis si je fais des liens autour et tout, je peux me le suspendre, point de bloc. Bien sûr, on peut supposer ça, que ça pouvait exister, mais en tout cas, on n'a pas la preuve de cette perforation. Mais peut-être qu'il y avait ces parures. En tout cas, comme ils mettent des plumes, c'est aussi de la parure. S'ils faisaient du tatouage, c'est aussi une forme de parure. Voilà, le questionnement reste. En tout cas, on n'a pas cette grande diversité qu'on va avoir avec les sapiens. Et en fin de compte, voilà, sur cet art mobilier pariétal, c'est sûr que nous n'avons pour l'instant aucune preuve qu'il existerait un Chauvet ou un Lascaux néandertalien. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais là aussi, il faut se méfier. On peut dire que les Magdaléniens ont peint Lascaux, on peut dire que les Aurignaciens ont peint Chauvet, mais on ne peut pas dire que les néandertaliens n'ont pas fait de peinture. Parce qu'il suffit de penser à des sites archéologiques récents, par exemple de sites aborigènes en Australie, de sites paléo-indiens, voire indiens aux États-Unis, qui montrent justement qu'il n'y a pas d'art chez ces peuples-là, la fouille archéologique. Parce que l'art fait par ces groupes aborigènes ou fait par ces groupes indiens, paléo-indiens, était sur des éléments qui ne se conservent pas. C'est-à-dire la peau humaine, mais aussi la peau des animaux. Par exemple, les Indiens, il y a des Indiens, les Sioux Lakota, certains groupes ne faisaient que cet art sur cette peau. Donc, pour nous, archéologues, il ne reste rien. De même, les Aborigènes, il y a beaucoup des petits groupes qui ne font que sur écorce. Vous avez sûrement vu au Quai Branly. Donc, voilà. Et donc, il n'y a pas, ou sur des morceaux de bois. Donc, pour nous, archéologues, il ne reste rien. Donc, c'est pour ça que je dis grande prudence, surtout maintenant, vous voyez, il y a cette découverte espagnole. Donc je crois qu'il faut faire très attention, on n'est pas peut-être au bout de nos surprises, mais dans l'état actuel, en tout cas, on voit bien quand même qu'il y a cette différence. Voilà, alors pour moi, je crois que vous l'avez compris, je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de supérieur-inférieur, on n'est plus au 19e siècle avec l'échelle des êtres humains. Pour moi, les Néandertaliens sont ni inférieurs ni supérieurs aux sapiens. Ils sont différents, par contre. C'est-à-dire que là, je dis, il faut faire attention.
et pas tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire que maintenant, j'entends certaines personnes, ou certains de mes lecteurs qui disent voilà, Sapiens c'est zéro, les Néandertaliens c'est bien mieux. Non, c'est totalement ridicule aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est important de pas raisonner en termes de supérieur et d'inférieur. Il y a des comportements qui sont pour moi tout à fait typiquement humains, des capacités cognitives qui sont présentes, qui démontrent que ce sont des capacités cognitives en abondance et qui sont typiquement humaines. Et donc pour moi, ça ne fait pas de doute qu'il est dans notre humanité, dans notre histoire, et qu'il a ses différences, et je pense que c'est ça qui est intéressant de montrer, et ses différences, je ne veux pas savoir si c'est mieux ou moins bien que les sapiens. Je pense que, sincèrement, ça n'a pas de sens. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, bonsoir. C'était une excellente conférence. Alors, pour revenir sur la diapo qui montrait, à partir de l'étude isotopique, un régime carné comparable à celui du loup, mais par la suite, l'autre diapo montrait une consommation importante de végétaux. Donc, ce n'est pas des données contradictoires. Ce n'est pas une consommation importante des végétaux. C'est la preuve qui nous manquait pour dire que dans leur régime alimentaire, il y avait une part de végétal, qu'elle existe, qu'elle n'est pas, n'y a pas qu'un régime carné. Parce que pendant un moment, on pensait que c'était vraiment que des mangeurs de viande et pas du tout. Donc maintenant, on sait qu'il y a cette part de végétal. Moi, j'ai toujours pensé, parce que je pense qu'un régime strictement, même à l'époque, strictement carné, n'est pas viable. Il faut quand même, on voit bien les Inuits, comment ils cherchent à avoir des autres éléments, notamment au niveau de certains végétaux, au niveau des produits de la mer, etc., enfin de l'océan. Donc là, ce qui était important, c'est de montrer que ça existait, qu'il y avait cette consommation, et en plus que c'était pas seulement de manger trois baies, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment collecter des céréales sauvages, les réduire en poudre, etc. Donc, je me demandais quelle était l'espèce animale concernée par les dents des grottes d'Arcy, d'une part, dont tu as parlé. Et l'autre, c'est à propos de la vie sociale des hommes de Néandertal. Est-ce qu'on a une idée de leur vie à l'intérieur des groupes et entre les groupes? Et éventuellement, est-ce qu'ils passaient leur temps à se bastonner ou est-ce qu'ils étaient très pacifiques? Alors, les canines sont des canines de renard, et puis des petites craches à côté, des petites craches voilà, qui ressemblent à des petits... J'ai enlevé, mais on va peut-être remettre, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, donc ça, vous voyez les canines, les petites canines de renard, et puis à côté sont des petites craches de cervidés, c'est-à-dire que c'est une espèce de petite canine rudimentaire, qui fait un petit fort. Là, il y avait du cerf et du renne, donc voilà, c'est des petites... des petites craches. Alors, au niveau de la vie sociale, c'est difficile, à part de montrer, comme je l'ai dit, le fait que leur structure, leur espace domestique est structuré, avec des endroits d'activité. On ne peut pas dire grand-chose d'autre. Je ne l'ai pas mis, j'aurais pu le mettre. Une donnée intéressante, c'est qu'il y a un site, notamment, où on a eu la chance d'avoir pas mal de Néandertaliens en même temps, puisqu'ils ont été cannibalisés, ils étaient mangés. Et on a fait, il y a eu l'ADN ancien qui a été fait, on a mis, fait l'étude de la parenté entre les groupes, et ce qu'on s'est aperçu, et ça c'est quelque chose qu'on rencontre aussi très fréquemment, c'était patrie locale. C'est-à-dire que les hommes restent et puis les femmes s'en vont. Donc ce sont les locutrices de la langue, de la tradition et tout, c'est très bien. Mais... Et donc, voilà, c'est ce qu'on peut voir. Mais sinon, au niveau vraiment de la structure sociale, ce qu'on sait, c'est que pour une économie de prédateurs, de chasseurs-cueilleurs, hein, de prédateurs au sens qu'ils vivent sur la prédation, hein, c'est pas péjoratif du tout, il faut pas dépasser 50. Au niveau de la démographie locale, c'est-à-dire du groupe, c'est souvent entre 30 et 50 au maximum. Voilà, donc sorti de ça, c'est très compliqué de savoir quels étaient leurs comportements. On peut supputer, évidemment, moi quand j'écris mon livre, des fois j'essaie de d'imaginer comment ça pouvait être par déduction. Et par exemple, pour moi, je pense que ce que nous on appelle la famille, d'abord c'est très tard, c'est, au sens familial, c'est quand même romain, hein, c'est très tardif. Et d'ailleurs, la famille comportait les esclaves, hein. Ça je fais une petite parenthèse. Chez les Romains, familiens, il y avait les esclaves compris dans la famille. Et donc, ça, pour moi, c'est des choses très récentes. Probablement qu'ils avaient une structure
qui était polygame, si je veux dire entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le monde allait avec tout le monde, cette familiarité, parce que c'est l'intérêt du groupe. Et échanger avec aussi les autres groupes, donc la bonne entente entre groupes. Là, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait un livre sur l'origine de la violence. Par exemple, on n'a pas de traces de guerre. Hein. On a quelques traces de coups. Souvent, après, on voit qu'il y a du cannibalisme, donc on a des choses très rituelles, quelque part. Mais on n'a pas de conflit majeur, on n'a pas de guerre, on n'a pas ce qu'on va voir après au néolithique des charniers. Donc on a voilà, c'est ça, mais savoir là on, le savoir comment je sais pas moi, comment ils étaient avec les enfants, comment ils étaient très, quelle était vraiment aussi l'organisation sociale. On dit qu'apparemment, vu les sépultures, qu'il y avait une certaine égalité, puisque nous n'avons pas, ce qu'on verra plus tard, on n'a pas de sépultures riches et de sépultures pauvres. On a dans les sépultures aussi bien des femmes, des enfants que des hommes de tous âges. Il y a pas une, là aussi, il y a pas voilà. Au niveau des objets mis, il y a pas non plus de plus d'objets dans une sépulture que dans une autre. Voilà, donc on en déduit qu'apparemment il n'y avait pas de distinction. Voilà, il y a des choses qu'on peut dire comme ça, mais beaucoup de choses malheureusement. De leur vie quotidienne, sociale quotidienne, c'est très difficile à démontrer. On peut émettre des hypothèses avec ce qu'on sait, ce qu'on connaît, par déduction, mais disons, prouver matériellement, c'est quelque chose pour l'instant qui est très difficile. Par contre, la parenté, je pense qu'on va faire des progrès avec la parenté, parce qu'avec l'ADN ancien, plus on aura des résultats sur l'ADN ancien, plus on arrivera peut-être à avoir des choses intéressantes. Je parle quand on trouve plusieurs squelettes dans le même site, hein, évidemment. Oui ? Oui, je ne comprends pas très bien la définition que vous avez donnée d'une autre humanité. Je comprends très bien qu'il y a des différences importantes entre Néandertal et Sapiens. Mais les deux ont donné, ont métissé et ont donné une descendance fertile. Ce qui veut dire que, biologiquement parlant, c'est la même espèce. En d'autres termes, que Néandertal, en tant qu'espèce, n'existe pas. Alors là, vous entamez ma conférence de la prochaine fois, parce que justement, la question que je vous soumettrai, j'espère que vous serez avec moi, c'est de savoir est-ce que Néandertal a disparu. Et de discuter justement de cette notion d'espèce. Ça, c'est clair. Mais pour moi, une autre humanité, c'était dans le sens que moi, je crois que l'humanité est plurielle et à l'intérieur, voilà, à différentes périodes. Moi, j'en arrive à parler maintenant à cause ou grâce à tout ce qu'on nous révèle, l'ADN ancien, de civilisation. Alors, c'est beaucoup de gens, notamment mes collègues américains, font des bons... des sauts de carpe comme ça, parce que pour eux, ça paraît fort. Mais moi, je pense qu'on peut, comme on parle, on a osé, et je trouve qu'on a bien fait, de parler de civilisation magdalénienne. Je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas en termes de civilisation, c'est-à-dire avec la civilisation des Néandertaliens, où, voilà, il y a des fonds communs à cette civilisation, et il y a des traditions régionales, comme vous l'avez montré, et donc il y a des comportements qui sont typiques et des choses fabriquées, un artisanat, une industrie, qui montrent qu'il y a une civilisation, un comportement néandertalien, entre guillemets. Et ça qui est très fort, très marqué. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est une civilisation qui a disparu. Et donc, voilà, on discutera sur cette notion d'espèce parce que je vous rejoins. Et donc, c'est ça qui est important. Alors, autre humanité, dans le sens que je n'aime pas les choses globalisantes en disant il n'y a qu'une humanité, on est tous pareils. Non, moi, j'aime bien la pluralité. Je trouve que les différences font aussi les richesses. Avec un fond commun, je trouve ça bien, et avec des variations et des originalités, si je sais. Mais donc, c'est quelque chose qui, moi, me paraissait intéressant. Voilà. Et aussi, j'ai employé ce mot très fort, exprès, parce que pourtant, j'avais commencé à écrire ça en 2006, ça me paraissait quand même, c'est pas si loin. Et ben, je peux vous dire qu'en 2006, il y en a qui n'acceptaient pas le terme. Pour eux, c'est pas des humains. C'est pour ça que c'était aussi pour frapper un peu fort. Parce qu'il y en a toujours, vous savez, qui restent dans cette vision humain, moins humain, plus humain, je ne sais pas trop.
Et donc, c'était un peu esprit génie humanité. La plupart des représentations qu'on voit de Néandertal, ils sont vêtus un peu de slip de peau et guère plus. Du coup, moi, j'aimerais savoir ce qu'on sait des vêtements qu'ils pouvaient porter. Alors là, c'est quelque chose que moi j'attends avec impatience, c'est de trouver un Néandertalien conservé dans les glaces. Vous voyez, parce que Bernard Buick, qui est un copain, me sort des mammouths, mais je dis, sors-moi un Néandertalien, parce que c'est justement là la question. Moi, j'aimerais beaucoup savoir, parce que nous, ce qu'on peut mettre en évidence, en tant que scientifique archéologue, c'est simplement qu'il y a un traitement des peaux, qu'il y a une récupération, on a les traces de dépouillement, etc. Mais après, on ne peut pas savoir quelle était l'allure, comment ils faisaient. Dans les reconstitutions, c'est des reconstitutions qui sont pas fantaisistes, mais sont basées sur ce qu'on peut imaginer. Mais en réalité, on n'a pas de preuves. On peut pas savoir, est-ce que mettait un caleçon, une petite jupelle, enfin, toutes les tenues inimaginables, parce que comme les lapons, il y a différents. Est-ce qu'ils avaient, on ne sait pas. On n'a pas de preuves. Mais on n'a pas de preuves pour les hommes modernes. Mais comme ce sont des hommes modernes, on les représente toujours mieux habillés. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace profondément. Parce qu'en fin de compte, rien ne prouve qu'ils allaient comme des va-nu-pieds et tout ça. Je pense que c'est pour moi aberrant. C'est quelque chose, un présupposé. Voilà, on a créé la fois dernière, je parlais des archétypes. On a créé un archétype. Ben voilà. Mais en tout cas, on ne sait pas plus pour les hommes modernes. Et je pense que pour l'instant, à part, je vous dis, de trouver un Néandertalien congelé. Donc bien habillé, moi j'aimerais beaucoup qu'il soit habillé, paré et tout, des tatouages partout. Bon, chacun c'est un fantasme, et parce que comme ça clouait le bec peut-être à certains, parce qu'il y a toujours ce questionnement. On peut montrer qu'il y a récupération, voilà, mais après c'est difficile de savoir. Oui, est-ce qu'on pourrait considérer que la différence de cerveau, j'entends au niveau volume, serait due au fait qu'ils avaient beaucoup plus que nous, développer l'odorat, l'ouïe, et la vue aussi. Donc, est-ce que les zones cérébrales auraient été hyper développées chez eux? Eh bien, écoutez, je suis contente de vous poser cette question parce que justement, quand on regarde, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est de regarder le crâne, qu'est-ce qui est développé. Et c'est vrai que c'est hyper développé, c'est surtout tout le côté pariétal et occipital. C'est toute cette zone. Et ça, c'est les zones motrices, essentiellement. Et je suis convaincue, et peut-être que l'avenir, les nouvelles méthodes et tout vont mettre en évidence, je suis convaincue, justement, c'est pour ça que c'est des grands chasseurs. Parce qu'ils ont tout ce que vous venez de dire. Toutes ces capacités physiques, anatomiques, qui étaient plus développées. Déjà, de toute façon, on le sait très bien que même les sapiens, dans un environnement comme les chasseurs-cueilleurs et tout, sont beaucoup. Moi, j'ai la chance de vivre chez les Bushmen, en Kalahari. Ils ont une super vue, ils ont une super. Oui, et voilà. Parce qu'ils sont dans un milieu naturel, ils sont habitués à entraîner leur sens, etc. Et ils ont donc ces capacités plus développées. Donc là, je pense que c'est vrai. Et alors, justement, la question qu'il faut se poser, c'est. Par contre, qu'est-ce qui est moins développé comme zone? Et ce qui est moins développé, c'est la partie frontale. Et tout le monde sait ce qu'il y a dans la partie frontale. C'est tout ce qui est sensibilité artistique, etc. C'est aussi la projection dans l'avenir et tout. Donc là aussi, on en parlera la prochaine fois, parce que je pense que ça, c'est une donnée à retenir. Donc, je pense qu'au niveau de ses capacités, c'était, à mon avis, beaucoup plus développé que chez les sapiens. Et encore plus que chez nous, ça c'est sûr. Donc ça, c'est vrai, parce que toutes ces zones sont bien développées, toutes ces zones, notamment toutes ces zones motrices. Donc, c'est clair. Question de débutant. Est-ce qu'on sait d'où ils viennent? C'est-à-dire les origines avant? Qu'est-ce qui les a précédées? Comment et pourquoi on peut les apparenter à l'espèce humaine et qu'est-ce qui va les distinguer des espèces animales? Et ensuite, en deux mots, est-ce que les causes de leur disparition? Ah non, ça c'est la prochaine fois. Ah non, maintenant.
Hein, faut faire, sinon, si on dévoile, c'est quand même, voilà, il y a des films à feuilleton. Hein. Alors, voilà, je vous ai remis ici l'arbre phylétique. Hein. Donc, si vous voulez, il y a ce que j'ai dit, hein, il y a des Erectus qui quittent l'Afrique, vers, on va dire, 1,2 million maintenant, peut-être 1,8 million pour certains paléontologues. Pas d'anthropologues. Et donc, ils vont, ces Erectus, par petites vagues et tout, ils vont passer en Europe et ils vont aller soit à l'ouest, hein, c'est-à-dire vers nous, soit ils vont descendre et aller en Asie, etc. Donc, c'est cette souche d'Afrique qui va arriver en Europe et c'est à partir de l'évolution de ce groupe européen d'Erectus que vont apparaître les Néandertaliens. Qui vont dériver de ces groupes-là. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. Ça vient, en tout cas, le peuplement de l'Europe par les Erectus, ce sont par les Erectus qu'il y a eu ce peuplement. Donc c'est eux qui ont vraiment été les premiers Européens. Et après, ils ont donné les Néandertaliens. Donc c'est une souche typiquement européenne. Peut-on estimer la quantité de population qu'il y a eu sur un territoire comme la France, par exemple ? C'est extrêmement difficile. On n'a aucun moyen. Parce que, bien entendu, on pourrait faire bêtement, moi je dis bêtement, c'est un peu dur pour ceux qui le font, mais en comptant le nombre de sites, mais ça, à l'intérieur des sites, le nombre de couches. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que, premièrement, il y a des sites qui ne sont plus là. En plein air, il y a sûrement plein d'habitants. Et puis, ça veut dire quoi? Puisqu'on n'arrive pas à savoir. Quand on étudie ce qu'on appelle un niveau archéologique, ce niveau, malheureusement, la plupart du temps, ça ne représente pas une occupation. C'est souvent un palimpseste d'occupation. Donc combien et tout, on peut absolument pas, je pense que c'est par exemple, et on peut pas non plus à partir des restes humains, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de restes humains, parce que pour que les restes se conservent, il faut qu'ils soient enfouis, protégés, enfouis, etc. Donc c'est, là aussi c'est un processus de fossilisation qui entraîne une perte énorme de matériel. Donc comment évaluer? Je pense que c'est extrêmement difficile. Je crois que c'est pas, il y en a qui ont tenté, moi je pense que c'est franchement pas raisonnable. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne devaient pas être très nombreux. Parce qu'ils sont énormément, enfin, ils ont un énorme territoire. Et on a des sites. Moi, je travaille en Crimée, il y a plein de sites, en Russie. Tout. Et puis, si on regarde de l'autre côté aussi en France, il y a plein de sites. Donc, mais c'est, là aussi, c'est 300 000 ans, presque 350 000, ouais, 320 000 ans. Donc, vous imaginez donc le temps et la dispersion spatiale, la dispersion dans le temps. Donc tout ça fait que quand même ça fait pas énormément de sites. Donc si on fait ça, on va se retrouver avec trois pelés, quatre tendus. Bon, je pense que raisonnablement, peut-être que des démographes spécialistes pourraient. Il y a des seuils sans doute que pour qu'on soit là, qu'ils aient vécu autant. Il y a des seuils. Hein. C'est-à-dire que si au niveau démographique vous êtes en dessous le seuil, ça va pas durer longtemps. Donc il y a forcément des seuils pour que ça puisse se maintenir et exister. Mais moi je pense que c'est pas raisonnable. On a dit pour les sapiens, notamment pour les Magdaléniens, qu'à un moment donné, en Europe, les Magdaléniens, ça représentait 1 million de personnes. Mais comment on peut faire ça? Je sais pas. C'est quand même très compliqué, ça. Je pense que c'est sympathique pour le public, mais je suis pas sûre que ça soit vraiment fiable. On peut pas, j'aimerais bien, mais peut-être qu'on trouvera aussi. Moi, je suis très optimiste. Je pense qu'il y a plein de choses maintenant qu'on sait, qu'avant on ne savait pas, et maintenant que je ne sais pas, que plus tard on saura. Bien, on a un chaînon, hein. Pas manquant, mais un chaînon. D'abord, vous avez insisté sur le développement des aires pariétales et temporales. Donc, effectivement, dans ces conditions, il est très probable qu'il y ait un langage articulé, des échanges, etc. Mais je voudrais poser une question à ce propos. Est-ce qu'on a une idée de la latéralisation, c'est-à-dire de l'usage préférentiel, par exemple, de la main droite? Parce qu'à ce moment-là, tout le monde sait que l'usage préférentiel de la main droite permet le développement de l'hémisphère gauche. Bon, première question. Deuxième question, la durée de vie des hommes de Néandertal, qui rejoint la précédente question, les précédentes réponses, jusqu'à quel âge vivaient ces personnes? Alors, donc, premièrement, sur la latéralité, on a des preuves incontestables, c'est-à-dire qu'à partir des outils, on voit si l'outil a été travaillé par les gauchers, fait par un gaucher ou un droitier. On s'est aperçu que majoritairement c'était des droitiers, mais qu'il y avait des gauchers. Voilà. Mais majoritairement c'était des droitiers. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est vrai que j'aurais pu mettre aussi, mais j'ai déjà été tellement longue, vous voyez, on a peu de temps pour les questions. J'aurais pu parler de l'âge. Alors l'âge, pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, l'état actuel des découvertes,
tous les Néandertaliens, il n'y en a pas un qui dépasse 50 ans. C'est pas grave, parce que je veux dire, pendant certaines périodes historiques, ça allait pas bien plus loin. On a quand même pas mal d'hommes de 40, 45 ans, 50 ans. Et je dis d'hommes, parce que là, malheureusement, nous sommes encore nous frappés, les femmes, c'est que on n'a pas une seule néandertalienne qui a dépassé 35 ans. Donc il y a une hypothèse, je pense que j'en reparlerai aussi la prochaine fois, est-ce que ça peut rentrer dans les hypothèses de disparition. Il y a une hypothèse qui fait que la mortalité infantile était importante, mais ça, tout le monde connaît ça, enfin nous aussi, dans notre histoire récente, on connaît la mortalité infantile, mais probablement une mortalité au moment de la naissance, au moment de l'accouchement. Parce que il y a même eu Erin Trinkaus, un Américain, un anthropologue spécialiste des Néandertaliens, qui avait même pendant un moment émis l'hypothèse que si c'était peut-être pas 9 mois, parce que quand il faisait le rapport, il avait étudié tous les bassins qu'il connaissait de Néandertaliens et aussi le crâne des enfants nouveau-nés, et ça passait juste. Donc il avait dit peut-être que la gestation est plus courte. Donc il y a cette incertitude, et peut-être que justement il y a un problème à ce niveau-là, en tout cas voilà, à cause le développement important du crâne, et donc même les bébés, les petits néandertaliens, ils ont déjà un crâne bien. Alors voilà, il avait pensé ça. Toujours est-il que probablement, parce que je suis quand même très étonnée, qu'il y en a pas une, quoi. C'est triste, hein, pas une néandertalienne. 36 ans, les hommes 50, c'est pas très juste, mais bon. Voilà. Mais j'en parlerai la prochaine fois, mais ils sont moins blessés, les femmes, que les hommes. Parce que les hommes, il y a beaucoup de néandertaliens qui sont quand même abîmés. Hein. La chasse à l'estoc, ça laissait beaucoup de fractures. Allez-y, je vous en prie. L'homme Tutsi était-il néandertalien ou non? Ah non, pas du tout. C'est un homme moderne, récent, hein, et donc il est l'âge des métaux, il est beaucoup plus tardif, donc c'est pas néandertalien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tutsi.